passé ça, et bien, on a continué ensemble avec vous. On a fait parler un petit peu de Charles Dessalines. Bon, ça, même son gros papa musicien Toro. Et on dit Charles Dessalines, puis on dit docteur, parce qu'il y a un docteur en musique. Et docteur Charles Dessalines, monsieur jouait tout sax, net. Et puis, monsieur, c'est un musicien de Von Dino. Démarrage, monsieur, n'a fait musique. Monsieur paraît tout enfant parce que papa, monsieur, était responsable musique tout dans la Kougo Naïve. Papa, monsieur, eh bien, monsieur levé, il grandit dans la musique. Là. Il était en formation en baby blue, jazz. C'était la première formation que monsieur était fait dans la Kali. Et l'un d'eux, monsieur, c'est un musicien qui a une grande importance là. C'est parce que, eh bien, le monsieur, il s'est démarré avec monsieur, eh bien, il était étonné. Il était étonné parce que la capacité monsieur comme saxophoniste, monsieur était ensemble avec Robert Sicko, et puis il était gagné tout, Bud Johnson, c'était un Américain qui était là. Le monsieur s'est joué, monsieur est obligé de camper la garder les gars. Monsieur a regardé les gens et monsieur, papa, le musicien de l'école, bon, ici, oui. Musicien de l'école, ensemble avec Issa El Saïe, dans Boston, l'école, collège, oui. Monsieur Sayo, il y a un dossier dans fanfare, lycée, ou du moins parents, qui ont montré au jeu de musique. Yo, Bud Johnson campé, il a regardé Charles Dessalines, qui a joué sax. Quand monsieur dit Issa El Saïe, mais. Pour qui ça ouvre une Boston, et monsieur n'est Boston là, il sait ça, c'est Boston qui a vécu tout, pour qui ça ouvre une chachem? Parce que là, dans le pays où il y a un bon musicien. Alors, et formation ça, il sait ça, il n'y a pas de bon saxophoniste là-dedans. Nous te jouons non seulement Charles Dessalines qui t'a joué sax, Robert Sicko qui t'a joué, nous te jouons. Raoul Guillaume, Raymond Guillaume, les deux frères, jusqu'à trois frères, Guillaume, yo cap joué sax. T'es venu jouer encore, yo toro saxophoniste qui t'es venu entrer, Guy Duosi. Ça veut dire que son formation t'es gagné en pile gros musicien tout. Alors, Fondo Lito, Fondo Bay mérite toujours, et n'a fait musique, l'orchestre Israël Saïe, non seulement. Et modernisation, du moins, t'es venu l'autre tendance au point de vue musical. Ça m'a dit, c'est pas grave, mon année 40, je connais, c'était dans fanfare, l'objet d'un bon musicien, Kazen Palais, c'est la voix géniale. T'es même bien chanteur qui sorti dans fanfare. Lui, là, c'est là sorti. C'est dans fanfare, Neumou Jean-Baptiste, je pas dit Neumou, non, parce que monsieur t'a fait expérience avec l'orchestre Citadel avant Neumou Jean-Baptiste. Auguste Duosier, nous t'es joint dans l'orchestre Citadel. Tout monsieur Sayo, sinon, et fanfare. Chance pour Guy Durosier, lui-même était Saint-Louis de Gonzague, il était apprendre, il jouait les sax, et puis monsieur Evin, sinon, il sait, pendant monsieur Lapi, Jotouyo, puis monsieur commençait à chanter. À 13 ans, et Guy Durosier commençait à prendre un bagaille. Alors, il jouait piano, il bat tambour, il y en a comme musicien Sayo. Mais, là, on a parlé un petit peu de. Nous voulons retourner sur Charles Dessalines, c'est parce que tu es un mariage des musiciens. Tu es un mariage. Égal, nous te faisons qu'on est que Bud Johnson est étonné. Eh bien, monsieur est venu, il a quitté la formation, ça, il était ensemble avec Raoul Guillaume encore, il était ensemble au Casino International. Monsieur est passé dans plusieurs autres formations, non seulement au Canada, aux États-Unis, et spécialement à New York, côté lié là. Eh bien, monsieur, c'est un monde qui était étonné. Monsieur était arrivé au Cap, monsieur a fait sortir un album et simplement avec les sax, toute parole, toute musique, c'est avec sax. Eh bien, nous pouvons imaginer, quelle que soit la musique, nous tendons, monsieur joue à sax, c'est pour petit c'est pour madame, ni, c'est pour famille que l'été fait dans nos mondes. C'est une belle époque que Charles Dessalines l'épouvait. Eh bien, M. Patrick Techita, le Vinis, il continuait à aller à l'école pour apprendre la musique. Eh bien, M. Li a obligé à dire, M. décrocher là, un doctorat dans la musique. Il y a un grand musicien, excellent saxophoniste.
L'invite aurait été branché. Non, mais c'est Junior Mengual. N'a pas tourné. C'est ça, eh bien bon, mes amis, c'est là qu'on va mettre en fin avec l'orchestre Tropicana. Et nous connaissons déjà une information. Si nous prenons pour nous parler de côté jazz à sortir, d'abord, Tropicana a sorti Dondon. Et c'est là que mettre l'orchestre, et nous voulons parler de Jacques et Claude Toussaint. C'est là que M. Temoun. J'étais formé orchestre qui était le jazz capois. Mais l'étape formé là et époque ça yo
pas de l'argent, pas de l'instrument. Fondo, guitare banjo était à la mode en pile, gros piano était à la mode, contrebasse qui campait, c'est genre de basse qui était à la mode. Et quand l'on dit à déraper, sortir une zone non zone, Manouba était conduit. Manouba, c'est une petite boîte carrière qui a ressort, machine qui était bim, bim, bim. Jazz de conduire avec tout, le a déplacé le pour qu'on ait une basse qui était détachée, comme dit ou bien. C'est en Neumouge Baptiste en 1957-58, monsieur entré avec instrument ça dans le pays d'Haïti. Mais Fondou, que ça pas nuit, moun, parce que accordéon était portable, il était monté accordéon, et puis il a fait jazz. Eh bien, le monsieur qui était Dondon, monsieur entré au Cap. Eh bien, jazz là commence à démarrer. Et bon, nous avons dit, laisse à septembre pour courir les septembre. Avant septembre, les trio symphonie, il y a un paquet de bandes. Non. Eh bien, monsieur démarre dans les 41 yo. Monsieur a joué timidement. Jazz a joué. Fondo expérience Sico, Raymond Sico et Robert Sico avec Jazz Capois, bien sûr. Eh bien, en 1955, formation vient changer, non? Il vient les Diab Caraïbes, Jazz Caraïbes, qui vient gagner, on leur tendance musicale. Parce que de 55, ils ont une grande ouverture au point de vue musical. Nous avons créé le compas. Et septembre, on a commencé à faire changement musicien. Et après, aller l'autre gros musicien là, fait, ça veut dire que l'année 55, on a gagné Rex Théâtre. Et puis, nous avons gagné tout. Si n'est pas Ramont lui-même qui était là, qui t'a payé toute promotion ça, comme si j'étais le lit, bon, non, échappé moi, mais quand je me rappelais de nous, m'a pas rappelé nous qui j'en, j'étais le époque, ça c'est ça seulement, qui était qu'on a fait dans le pays d'Haïti. Et Fondo, l'orchestre tropical a commencé timidement à prendre élan, mais tout élan nous tendait à, c'est dans la cour Saint-Marc. La cour Saint-Marc que nous te font spécial, nous te expliquons lui déjà, nous te font on parlait de l'orchestre Tropicana en 1963, le vin changé Tropicana, il pas traité la Cali, et ben c'est Saint-Marc qui grandit. C'est la Cali Willy et Gresso, c'est Gresso qui était qui montait. Ça et ben tout le monde Saint-Marc, tout le monde au Cap connaît pas une discussion de là. Alors, c'est là que l'orchestre Tropicana d'Haïti actuellement qui est dans cinquantaine, nous féliciter monsieur yo pour discipline yo parce que yo suivent grand frère yo qui c'est l'orchestre septentrional qui bat chemin et dans le monde là, dans le monde. C'est une plus grand orchestre ancien orchestre qui était et nous a dit après lui c'est Tropicana et puis Tabou Combo qui a suivi qui a fait suivi de eux-mêmes. Et puis, l'autre formation qu'il a toujours, mais timidement, c'est Sonora Matanzera qui était campé, ils font bon bout de temps campé. Ils ont même été sortis en 1935, mais ils ont été venus font bon genre 5, 6 ans, 7 ans campé, net, pas de jour encore. Qu'on y a un paquet de bandes jeunes qui retournaient reformés. Ils ont dit qu'il n'y a pas de Québec discipline. Et l'orchestre septembre avec Tropicana et puis Tabou Combo qui est là dans le moment. Avec dit, ça, son honneur pour nous, pour dans le monde entier, pour nous gagner. Que septembre qui nous n'a plus gros jazz qui gagne toute année ça yo et puis Tropicana fait de temps en temps si connu monté fait ça fait pépinière nous pensons jusqu'à présent et bien formation ça yo il a toujours été dans le monde musical là. C'est là nous quittons où non mais c'est Junior Mengual rete branché sur Festival Créole n'a toujours voté baou et n'a fait encore content. Nous remercier Dieu Passius qui pas jamais découragé et puis cap travail pour nous. M'chappé pour moi. Merci bien. Limonade, moi t'allais dans la fête champêtre. Moi arrivé, moi promené, manger de la vie, moi. Le défait 8 ans, ma marque est chère pour m'acheter des tickets, moi. Pour m'entrer là-bas, pour me prendre pour les tickets. Mes amis, le moins m'aider, mais la poche moi, moi chercher, moi pas moi pousse moi, moi quand même après fléchir, pour moi.
copie débordée. Ça qui était perdu pour moi, son même si fit d'enfilé. Même quand il m'a la possession, on crie de ma la. La sable est désolée, moi tombé à fait blanc. Y'a sa solution, moi trouvé, c'est point d'assaut. Moi monté en plantier, dans ses coins qui fait noir. Papa Patrick Piyamala, on va vous raser tout ça que nous avons.